Après la bataille de la mer des Philippines, la conquête des îles Mariannes par les Américains est une suite de combats terrestres difficiles et sanglants. Malgré la résistance obstinée des Japonais, les îles sont finalement prises. Après Saipan et Tinian, c'est le tour de Guam où les troupes américaines finissent par maîtriser le complexe réseau de tunnels et de refuges souterrains le 12 août 1944. La chute de ces îles et la défaite navale confirment l'affaiblissement de la position du Japon. Mais officiellement, celui-ci ne reconnaît pas la gravité de la situation. Pourtant, les événements dramatiques des îles Mariannes entraînent la démission du gouvernement du général Tojo. La tension se tourne maintenant vers les Philippines. Et les Japonais mettent toutes leurs forces pour les défendre pendant que les Américains se préparent à débarquer. Avant la grande offensive, ils attaquent et occupent les îles de Morotai et de Palau. Les techniques d'invasion sont à ce moment de la guerre parfaitement au point et la supériorité aérienne acquise par les Américains leur garantit désormais les plus grandes chances de succès. En revanche, la ténacité des troupes japonaises rend les victoires coûteuses en pertes humaines. L'occupation des îles Palau a fourni aux Américains de nouvelles bases aériennes à moins de 800 km des Philippines et tous les éléments sont en place pour les prochains événements. Alors que les Américains sont de plus en plus puissants dans le Pacifique, les pertes dans les Mariannes ont non seulement décimé les avions embarqués japonais, mais surtout ont considérablement réduit le nombre de pilotes. La situation des forces impériales pâtit également des restrictions de pétrole, l'approvisionnement indonésien étant réduit au goutte à goutte. La perte des Philippines entraînerait la fin de cette ressource et l'immobilisation de la flotte. L'état-major n'a plus d'autre choix que de se battre aux Philippines avec ses faibles moyens. Une fois de plus, les maîtres de Tokyo élaborent un plan de bataille complexe. En effet, si les porte-avions ne sont plus si vaillants, ils peuvent peut-être servir d'appât pour attirer la flotte américaine à portée des cuirassés. L'invasion par les troupes américaines de l'île de Leyte est le point de départ de la campagne des Philippines. Et c'est le moment que choisissent les amiraux japonais pour mettre en branle leur plan d'attaque. La bataille du golfe de Leyte se divise en quatre actions distinctes. 282 navires participent au combat ainsi que des centaines d'avions. L'affrontement commence avec l'attaque des cuirassés japonais par les porte-avions de l'amiral Halsey. Bénéficiant de l'effet de surprise, il emmène ensuite ses bâtiments éliminer leurs homologues japonais à court d'avions. Et lorsque les cuirassés nippons rescapés de la première attaque se tournent en deux escadres vers les forces américaines, l'une des deux mâchoires de l'étau est contenue, mais la seconde vient pilonner les plages de débarquement. On aurait dit des pagodes flottant sur l'eau. Ils arrivaient à l'horizon, droit sur nous. Il n'y avait rien d'autre à faire que de faire demi-tour et s'enfuir. Pour l'instant, bien sûr, nous étions en train d'armer le reste de nos avions, mais pour les faire décoller, il nous fallait à nouveau faire face à la flotte japonaise, parce que le vent venait de cette direction. Et bien entendu, pendant ce temps-là, nous étions sous le feu de leur artillerie. Pour faire face aux mastodontes japonais, les Américains n'alignent que 6 porte-avions d'escorte et une poignée de destroyers. Ils n'ont aucune chance d'arrêter les unités nippones, mais se défendent vaillamment en se retirant. L'amiral japonais Kurita craint que Halsey ne parvienne à couper sa retraite et ne réussit pas à évaluer le nombre de navires dont il dispose encore. À la fin de la matinée, après nous avoir maintenus sous le feu de ses batteries pendant 2 heures, l'amiral japonais a décidé de faire demi-tour et de se retirer. J'ai lu quelque part qu'il pensait que les escadres de porte-avions lourds arrivaient derrière lui. Au moment même où Kurita fait demi-tour, les kamikazes attaquent pour la première fois. L'amiral Onishi, qui commande les forces aériennes aux Philippines, se rend alors auprès de l'amiral Toyoda, qui a non seulement autorisé cette tactique suicidaire, mais qui en a demandé l'approbation juste après l'action solitaire du contre-amiral Arina. Ce dernier a délibérément lancé son bombardier en piqué sur le pont de l'USS Franklin. Cet exemple a suscité tant de vocations parmi les pilotes
Konishi tient à en informer ses supérieurs pour sanctionner tout sacrifice désespéré. L'arrivée des kamikazes coïncide avec la défaite des derniers porte-avions japonais. L'amiral Halsey prend le risque de déclencher un débarquement sans protection aérienne, mais réussit à mener son offensive contre les porte-avions japonais. Quatre bâtiments disparaissent sous la surface des eaux. Au moment de l'attaque américaine, il ne reste à la flotte japonaise que 19 zéros pour se défendre. Après la bataille, la flotte impériale nippone ne constitue plus une menace significative. Les pertes américaines, une fois de plus, sont relativement légères et l'invasion des Philippines n'a pas cessé pendant les opérations navales. L'arrivée des kamikazes est le seul aspect sombre de cette campagne. Les offensives kamikazes s'intensifient et en 3 mois, 21 porte-avions sont touchés, 2 unités d'escorte coulées et 7 porte-avions d'attaque sont gravement endommagés. Pendant toute cette période, les amiraux Nimitz et Halsey envoient leurs escadres de porte-avions d'attaque patrouiller autour des Philippines, où ils jouent là encore un rôle décisif. Les kamikazes auraient certainement anéanti les flottes de débarquement sans la protection des avions embarqués de l'US Navy. Les transports de troupes, les cargos d'approvisionnement, les cuirassés et les péniches de débarquement n'auraient été que des cibles faciles si les pilotes américains n'avaient pas défendu âprement les leurs. Les porte-avions patrouillent et attaque. En janvier 1945, les formations lancent des offensives aériennes sur les bases japonaises de Chine et de Formose. Les kamikazes les poursuivent. Ticonderoga est gravement touché au large de Formose le 21 janvier 1945, alors que les combats dans les Philippines prennent fin. 4 jours plus tard, la dernière mission des kamikazes lancée des Philippines décolle. 421 raids de ce genre sont déjà venus à bout de 16 navires et en ont endommagé 87 autres. Ces actions sont tristement efficaces et vont se poursuivre jusqu'à la fin de la guerre. Les Occidentaux, les attaques kamikazes ne sont que pur suicide. Mais pour les Orientaux, c'est une philosophie. Il n'y a aucune connotation de désespoir ou d'inconscience dans l'action des pilotes. Ils ont foi en ce qu'ils font et servent ainsi leur patrie. À sa mort, un kamikaze ne perd pas la vie, il la transmet à ceux qui restent. La tactique des pilotes nippons est semblable à l'action des futurs missiles guidés. Pénétrant à travers les tirs des batteries antiaériennes, l'avion reste dirigé non pas pour simplement atteindre un navire, mais pour toucher ses parties les plus vitales ou les plus vulnérables. La frappe est plus efficace et plus précise que n'importe quelle bombe. Après la campagne des Philippines, l'amiral Halsey rend le commandement de la flotte à l'amiral Spruance, qui est en route vers le Japon. Ce dernier prépare les invasions d'Iwo Jima et d'Okinawa, les prochaines étapes de la marche forcée vers Tokyo. L'île d'Iwo Jima est envahie le 19 février 1945 et les combats se poursuivent jusqu'à fin mars. Une seule fois, les kamikazes attaquent de manière conséquente. Le 21 février, le porte-avions d'escorte Bismarck Sea est coulé. Le Saratoga et 4 autres bâtiments sont gravement endommagés. Même lorsque les navires se retirent vers le port d'Ulithi pour préparer l'offensive sur Okinawa, les kamikazes sont là. Le Randolph est touché au mouillage lors d'une attaque le 11 mars
et les dégâts sont considérables. Il est atteint de plein fouet par un bombardier bimoteur chargé d'une bombe d'une tonne. Les incendies sont rapidement maîtrisés et les blessés sont peu nombreux. Lorsque l'amiral Spruance inspecte les dégâts à bord du Randolph, il ne se doute pas de l'intensité des prochaines attaques kamikazes à Okinawa. La férocité de ces actions montre à quel point les Japonais sont déterminés et quel esprit les anime. Grand meneur d'hommes lors des grandes batailles de Midway et des Mariannes, Spruance est impuissant devant le déferlement d'attaques kamikazes qui se prépare. Avant l'invasion, la flotte américaine commence par s'attaquer au terrain d'aviation de Kyushu. Ce bombardement à courte distance d'une des îles de l'archipel met en évidence l'affaiblissement grandissant des défenseurs. Les avions de l'aéronavale américaine balaient tous les navires japonais au large des côtes et réussissent à parer à la plupart des attaques portées par les forces aériennes adverses. Le 19 mars, les Japonais parviennent toutefois à traverser les défenses américaines et à toucher l'Enterprise, le Yorktown, le Wasp et le Franklin. Ce dernier est pilonné. Des bombes explosent dans le hangar où les avions viennent juste d'être réarmés et approvisionnés en carburant en prévision d'un raid. Les incendies provoqués déclenchent une série d'explosions qui vont secouer le bâtiment pendant 5 heures. Une lutte héroïque contre le feu permet finalement de sauver le navire, mais à son bord, 832 hommes ont été tués et 270 blessés. Après l'évacuation d'une partie de l'équipage, le Franklin est immobilisé. Pendant 3 jours, les incendies et les explosions l'endommagent. Ordre est donné de le remorquer. Tandis que les Américains se rapprochent des îles du Japon, la férocité des défenseurs s'intensifie. La résistance se renforce et s'accompagne d'une montée en puissance des attaques kamikazes qui atteindront leur paroxysme au cours de la campagne pour la prise d'Okinawa. En effet, les Japonais ont rassemblé suffisamment d'avions pour éliminer les destroyers de surveillance radar de l'US Navy avant de fondre en masse sur le gros de la flotte américaine. Ce sont plus de 2000 avions qui serviront à cette opération. 1400 seront sacrifiés. La lutte désespérée pour sauver le Franklin finit par réussir et le bâtiment parvient à rejoindre Ulithi. Il a survécu à l'attaque, aux incendies et aux explosions. La robustesse, la qualité de la conception et de la construction des porte-avions de la classe Essex n'est plus à démontrer. Malheureusement, le Franklin est tellement endommagé qu'il ne sera jamais réparé. Il rentrera à New York, son port d'attache, au terme d'un dernier voyage. Les attaques kamikazes sont si intenses que l'amiral Spruance doit réorganiser ses unités en 3 escadres d'attaque au lieu de 4. En effet, les porte-avions doivent continuellement revenir à leur base pour réparation.
des attaques massives, baptisées Kikusui, commence le 6 avril 1945 avec une attaque de 365 kamikazes et se poursuivent jusqu'au 12 mai. Plus de 1800 raids ont lieu au cours de cette période et 930 appareils sont abattus. Côté américain, 17 navires sont coulés et 198 autres subissent des avaries, dont 12 porte-avions et 10 cuirassés. La conquête d'Okinawa est extrêmement lente et sanglante. Les défenseurs japonais résistent plus fortement que jamais et les Américains ne parviennent pas à installer leurs forces aériennes à terre. Les porte-avions doivent rester en place, exposés mais indispensables pour assurer la couverture aérienne. Toutefois, les dégâts sont considérables. La stratégie kamikaze a pour origine le manque de pilotes expérimentés. Et c'est précisément ce handicap qui en limite l'efficacité. Les pilotes de réserve mal entraînés ne sont ni capables de survivre en combat aérien, ni d'intercepter ou d'atteindre un navire efficacement, alors que leur mission requiert une grande habileté. Lors des attaques Kikusui sur Okinawa, chaque mission perd entre 60 et 90% de ses appareils. Le gaspillage à ce taux record ne peut durer très longtemps, aussi bien pour les pilotes que pour les avions. De plus en plus espacées, les attaques se poursuivent toutefois jusqu'à la fin de la guerre. Ce ne sont plus que quelques avions isolés qui apparaissent de temps en temps pour attaquer. Les Japonais sont épuisés. Et le manque de carburant paralyse leurs moyens. Le puissant Yamato prend le large pour rejoindre Okinawa, mais il ne parvient même pas jusque-là. L'escadre d'attaque alliée envoyée au large des côtes japonaises comprend 14 porte-avions lourds, dont 4 britanniques, et 6 porte-avions légers. Elle peut rassembler une force aérienne de 1450 avions. Avec cette puissance, doublée par les opérations à long rayon d'action des bombardiers de l'Army Air Force, tous les mouvements d'avions japonais s'arrêtent. L'espace aérien nippon est dominé par l'aviation américaine et les îles sont isolées. Les deux camps se préparent au dernier combat. Les kamikazes coulent ou endommagent plus de 400 navires au cours des 11 derniers mois de la guerre. Ils ne parviendront pas à changer l'issue du conflit, mais marquent durement cette dernière phase. Comme les Allemands, les Japonais essaient aussi de mettre au point des missiles guidés à distance. Mais les problèmes sont nombreux et le temps est compté. Les projets doivent finalement être modifiés pour inclure un pilote. Le kamikaze est sans conteste devenu un élément sacrifiable. Les Japonais capitulent le 15 août 1945. La reddition sera signée officiellement le 2 septembre. L'occupation américaine de Tokyo n'a pas été précédée de combats terrestres, mais les Japonais ont été pilonnés sans pitié par les airs. Le tonnerre ininterrompu des bombardiers B-29 à long rayon d'action s'est ajouté aux frappes concentrées de l'aéronavale américaine. L'empereur s'adresse à la nation le 14 août 1945, et le pays accepte la capitulation. Les négociations sont brèves, les Japonais n'ont plus rien. Les vainqueurs n'acceptent qu'une concession. La souveraineté de l'empereur sera reconnue. La cérémonie officielle de signature de l'instrument de capitulation se déroule sur le pont du cuirassé Missouri, dans le port de Tokyo.
L'amiral Nimitz ordonne de rester vigilant contre toute éventuelle attaque kamikaze, même après la capitulation du Japon. La terrible épreuve du Franklin ne se reproduira pas. Une dernière attaque sans importance survient le 15 août, puis les combats cessent définitivement. La paix a été longue à venir et les Américains l'ont payée au prix fort. Le Franklin, entrant dans le port de New York, en est le symbole incontestable.